Europe's role is as a facilitator, as a platform to exchange information and experiences. The Radicalization Awareness Network of the European Commission, for example, is a perfect platform and network for this. So we can learn from each other in different countries' experiences, local approaches that work in a specific country don't always work in another country. So it's really learning from each other, shortening the learning curve, being more effective. And this is what I see is the key role of the European Union. L'Europe est très importante parce qu'on est face à un phénomène transnational qui dépasse les frontières nationales et l'Europe a été efficace. Avec lenteur, malheureusement, les processus européens sont tels qu'il a fallu beaucoup de temps pour mettre en œuvre un certain nombre de politiques. Il reste beaucoup à faire pour lutter précisément contre la propagande en ligne des groupes terroristes. Même s'ils sont défaits sur le terrain, ils resteront une menace en ligne pour de nombreuses années. Donc ça doit être du ressort de l'Europe. L'Europe doit agir plus fermement et plus directement avec les États concernés. L'Europe n'est pas seulement l'Union européenne, as far as terrorisme est concerné. Terrorists don't make any great distinction between one European country, whether it's inside the European Union or another. And therefore, I think it's important for Europe to collaborate across the board, not just in terms of the European Union.